On repart, les amis, on repart avec, alors ça va vous faire plaisir, Benoît Grisoni, il est le directeur général de Boursorama. Bonjour, Stéphane. Ça va vous faire plaisir, Benoît, ce que j'ai écrit. J'ai écrit ce que personne ne dit, en fait, pour... Ah, c'est sympa, ouais. C'est et, vrai, pour, et, voilà, et ben oui, là, donc je vais le dire pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui nous écoutent en podcast, le comment est-ce qu'on appelle ça, c'est un synthé, enfin bref. Le, ouais. L'exergue, voilà, la phrase mise en exergue pour cet entretien, elle est la première des fintechs. Mm-hmm. Alors au début j'avais mis la plus grande des... non mais alors première ça veut dire ça en fait ça veut tout dire, c'est ça qui est pas mal, c'est ça c'est qui vrai. Est marrant parce que c'est la plus vieille. Est-ce que c'est la plus vieille? Peut-être pas même d'ailleurs pas, parce pas, que même pas, pas hein non, non, même pas. Mais enfin en tout cas est-ce qu'aujourd'hui c'est la plus importante? Oui je crois hein. Bon, 4 millions de clients? Non, pas encore, 2 millions et demi. On vise 4 Comment millions et demi. Comment ça? Ah moi-même, je me suis fait avoir par non, le marketing. Non, non. 4 millions de clients en 2023. Voilà, exactement. On 2 millions et demi aujourd'hui. 2 millions et demi aujourd'hui. Et en ça fait, veut dire le rythme de croissance Ouais, on va doubler encore à peu près. Ouais. On va chercher à doubler, grosso modo, en sur les trois prochaines années. Ouais. En 21, 22, 23. Parce que, attendez, c'est 2 millions et demi sur quoi, 15 ans d'existence, Boursorama? Oui, mais attention. On a triplé la base client en 5 ans. Donc, il y a une très forte accélération. On a recruté pas loin de 600 000 clients cette année. Donc, il y a une accélération qui vient de se passer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est là depuis longtemps, une vingtaine d'années. Ouais. On a commencé par le courtage en ligne, tout petit. Ouais. On est rentré petit à petit. Et puis, on a vraiment décidé, avec le soutien évidemment de notre actionnaire qui est la Société Générale, d'accélérer en 2015-2016. Et là, à ce moment-là, on a décuplé notre acquisition de clients. Ça veut dire quoi quand on dit on a décidé d'accélérer? Ça veut dire quoi? Qu'on a senti que le marché de la banque en ligne était maintenant mature, que les clientèles étaient en train de se créer, que l'attente des clients était en train de changer, que du coup, c'était un moment où on pouvait investir parce qu'on pouvait avoir un vrai succès. Donc, c'est ça qui se passe. Et évidemment, c'est la décision aussi de mettre des moyens. Il n'y a pas de croissance sans moyens. Mais alors, donc, c'est quoi les moyens? C'est essentiellement c'est du marketing, payer pour l'acquisition client. Voilà, c'est du marketing. Alors, en communication, parce qu'on n'a pas d'agence, on n'a pas de réseau de distribution. Ouais. Donc, il faut investir quand même sur la marque, sur les sujets de notoriété. Donc ça, là, c'est Brad Pitt, là? Par exemple. Par exemple. Ah bah oui, les amis, c'est non, Brad Pitt, quand même. Hein, non, voilà. C'est vrai, c'est Brad Pitt. Ouais, c'est, ouais, ouais. Bah là, maintenant, c'est tout un film avec Rocky et Mike Mais j'ai pas vu. C'est vrai qu'il y a un nouveau film. Ouais, depuis trois jours. Il se trouve que... Alors, on a reçu ici Georges Mohamed Chérif, le patron de Buzzman. Buzzman, voilà, qui est à l'origine de l'ensemble de cette campagne. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il avait signalé qu'il y a un nouveau film dimanche dernier était passé. Exactement. On est passé donc sur Rocky et sur la saga de Rocky parce que donc, l'exploit, c'est que notre client nous recommande et quand même recommander sa banque. Ça paraît impossible. Et donc, il va essayer de battre Mike Tyson. D'accord. Et je vous laisse regarder le film pour savoir comment ça se passe. D'accord. Voilà, donc, non, mais c'est vrai que c'est beaucoup de communication pour revenir aux investissements. Des investissements aussi en termes de, c'est vrai, de gestes commerciaux, parce qu'on est dans un modèle qui est un modèle digital. Donc, on a. Et c'est un modèle où, quelque part. Mais gestes commerciaux, il faut forcément payer. Il y a non, pas forcément, Paul Delos, le patron d'Orange Bank, qui viendra nous voir là aussi bientôt. Et en fait, les télécoms, ils avaient à un moment compris le sujet avec des opportunistes finalement qui récupèrent les primes que vous donnez, qui restent 6 mois, qui s'en vont, récupérer une autre prime. Ça non, pose un problème dans le business model, ça? Non, pas du tout. En fait, il faut bien distinguer les choses. Le business model, d'abord, il est pur. C'est-à-dire que la principale chose à bien comprendre, c'est que nous sommes un modèle économique à part entière. La banque en ligne, ce n'est pas comme la banque de détail, c'est différent qu'on connaissait. Ce n'est pas le même réseau de distribution, ce n'est pas les mêmes types d'investissements, ce n'est pas les mêmes frais généraux de structure, ce n'est pas la même organisation. Ce n'est même pas d'ailleurs la même façon de générer des revenus. C'est vraiment un modèle économique à part. Si on prenait un exemple... Si on devait simplifier, on pourrait dire que globalement, une banque en ligne comme la nôtre, qui donc n'a pas de conseiller, pas d'agence, et à peu près avec des frais, probablement une efficacité qui est de l'ordre de 1 à 5, par exemple, par rapport à une banque de réseau traditionnelle, sur les frais généraux. Ouais. Par contre, les revenus sont plus bas. 5 fois moins de frais généraux. Voilà. Mais par contre, moins de revenus. Pourquoi moins de revenus? Parce que d'abord, en l'occurrence, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de professionnels, ou quasiment pas. Donc on n'est que sur une partie de la clientèle. La banque de détail sert beaucoup les entreprises, on ne le dit pas assez, je pense. Ouais. Donc les revenus ne sont pas de même nature pour cette raison-là. Et quelque part, on a créé, par le fait d'être plus efficace sur les frais, sur les coûts, une capacité de pricing qu'on retrouve dans, finalement, tous les modèles digitaux. Il n'y a pas de magie. À un moment donné, si vous êtes un peu plus efficace, à ce moment-là, vous rendez une partie de cette économie aux clients. Absolument. Et donc, la raison pour laquelle les clients reviennent et viennent chez nous, la principale qu'on connaît, qu'on voit, qu'on mesure, c'est le prix. Indépendamment du geste commercial, on y reviendra. Ouais. Donc ça, c'est la raison de fond.
Je viens parce que je vais avoir une économie directe. Et si je devais simplifier, les frais bancaires chez nous l'année dernière, on vient d'avoir le chiffre, c'est entre 7 et 8 euros sur l'ensemble de l'année. Bon, y sachant... compris ce qu'on appelle les frais d'intervention, là, c'est-à-dire voilà, la gestion compris, des découverts et tout, tout ça. Tout compris. C'est le périmètre des relevés annuels. C'est le relevé annuel des 7, frais 8 bancaires. 7-8 euros, je peux le dire. Enfin, le chiffre que j'ai en tête pour une banque traditionnelle classique, c'est plus de 200 euros. Exactement. Voilà. Tout à fait, c'est exactement ça. Sachant que cette année, donc on va être honnête, en 2020, on a remboursé des frais aussi, nous, d'inactivité. Mais sinon, l'année dernière, on était à 9,90. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça, change rien. Ouais. Ça change rien. Donc ça, c'est une économie de tous les ans. Ouais. Et je parle que de la banque au quotidien, c'est-à-dire le compte à vue, le chèque, la carte. Ouais. Mais bien sûr que la banque, ce n'est pas que ça. C'est aussi des prêts, c'est aussi de la bourse, c'est aussi de l'assurance vie, enfin bref. Donc il y a déjà cette économie qui est phénoménale. Mais elle est phénoménale, mais elle nous permet d'être rentable. Simplement, on n'est pas rentable parce qu'on investit pour recruter énormément de clients en ce moment. On n'amortit pas ses coûts d'acquisition. On ne les amortit pas. C'est-à-dire, quand vous recrutez les clients, vous payez à l'instant T, mais vous ne payez pas à T plus 1. Alors, il y a du bon et du pas bon. Vous payez du coup très cher tout de suite, ouais, ouais. Mais par contre, vous êtes très manœuvrant. Puisque par construction, si vous recrutez moins, à ce moment-là, vous êtes immédiatement rentable. Ouais, tout à fait. Et c'est à tel point vrai qu'au deuxième trimestre cette année, en 2020, Boursorama a été rentable. Pourquoi ? On a recruté un peu moins de clients au moment du confinement. Au début, on a un peu ralenti la voilure. Hein. Comme tout le monde, on était un peu dans la... Comment dire ? On était voilà, on était. Mais, et c'est quand même. Enfin, je comprends. C'est absolument passionnant, Benoît. Vraiment, merci de tous ces détails. Mais t'es manœuvrant, oui. C'est-à-dire, t'es manœuvrant. T'as la capacité d'affaler la voile et donc de plus avancer. C'est pas vraiment être manœuvrant, ça. Si, si. Parce qu'alors après, il y a la deuxième patte. La patte principale, c'est ces frais. La construction finalement de la banque se fait dans un modèle économique très différent. Donc on est beaucoup plus léger en termes de structure de coûts. Et là, ça ne se voit pas parce qu'on recrute énormément et on prend des parts de marché. Mais de l'autre côté, il y a une deuxième patte au modèle économique. C'est qu'évidemment, il faut être capable de générer des revenus. Première condition, il faut que les clients y restent. Ouais. Alors ça, c'est quand même la base. Ouais. Donc là, on a des éléments comme la satisfaction client qui n'a rien à voir aujourd'hui, probablement avec d'autres éléments dans le secteur bancaire. On sait que c'est un secteur qui a pu... Alors, ça s'est amélioré d'ailleurs en 2020, honnêtement, globalement au niveau du secteur. Mais on a un Net Promoter Score à plus 45 au mois de décembre. Net Promoter Score, ça, c'est ça, justement. Est-ce que vous recommandez... Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes promoteur ou détracteur ? Donc, et donc quasiment les deux extrêmes. Un client sur deux de Boursorama le recommanderait... C'est même plus que ça, parce qu'en fait, on fait la différence des deux. Donc, c'est plutôt 3 sur 4 qui dit recommander ça. Recommander ça, voilà. Et donc... Et on a 86% d'ailleurs de clients qui disent recommander à leurs proches Boursorama. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est notre plateforme de marque. On dit la banque qu'on a envie de recommander. Ouais, mais je comprends. Non, mais et la moitié de nos clients viennent par ce biais-là. Et donc, la satisfaction, c'est que les deuxièmes éléments, et le prix joue. Hein. C'est-à-dire que si vous payez pour un juste prix, en général, vous êtes plus content. Bien sûr. Il faut quand même, être humble. Mais après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un modèle économique qui marche parce qu'on a la chance d'être une banque complète. Et ça, ça fait aussi une différence par rapport à d'autres... établissements en ligne. On est aux banques, voilà. Par exemple, mais ce qui est normal. Mais ce qui est normal, puisque Revolut, N26, etc. Exactement. Mais c'est normal, on a démarré bien avant, donc heureusement qu'on a un avantage. Banque complète, ça veut dire qu'est-ce que tu fais que eux ne font pas ? Par exemple, on fait de la bourse, et quand je dis la bourse, je vais vous donner des exemples, mais on sait gérer des PEA, des PEA PME, des PEA jeunes. Qui distribue des PEA jeunes aujourd'hui en France ? Ouais, mais en même temps, t'en distribues beaucoup des PEA jeunes ? On est assez contents. Ça intéresse qui ? Non, mais on en a fait, par exemple, on en a fait sur les 145 000 comptes titres qu'on a fait l'année dernière, ce qui est quand même plutôt beaucoup, c'est de l'ordre de 5 000. Mais c'est un début, Non, mais attends, mais restons là-dessus, parce que je voulais y venir rapidement. Oui, d'accord. Mais là-dessus, tu commences à être sacrément challengé par les eToro. Alors Robinhood, je ne sais pas s'ils sont en Europe, ils sont très forts aux États-Unis, ils vont forcément débarquer. Pas testé, mais tu vois... Forcément, à un moment ou un autre, ils sont en gamification totale de l'ensemble de ce truc. Enfin, c'est vraiment des phénomènes très, très impressionnants, y compris en France. Non, mais c'est tout à fait vrai. D'abord, on les considère énormément, exactement comme on a considéré et qu'on continue à considérer, et toujours on considérera nos concurrents avec beaucoup de... Comment dire, de respect, c'est-à-dire que je pense que c'est toujours des sources d'inspiration. Oui, bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, sur la complexité franco-française du PEA, aujourd'hui, ils ne les distribuent pas, ces produits-là. Oui, mais... Non, mais c'est important. Aujourd'hui, la moitié de nos encours sur la bourse sont gérés à travers ces PEA, aujourd'hui. Mais c'est encore intéressant, un PEA, C'est aujourd'hui. Hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Davantage défiscalisé que si tu boursicotes tranquille. Regarde aujourd'hui sur les... On a fait à peu près, on a triplé les volumes sur la bourse l'année dernière, mais... Le marché, globalement, des investisseurs particuliers a explosé. Bon, si on regarde la décomposition des ouvertures de PEA ou de comptes titres, on a la moitié à peu près qui sont des PEA. C'est la moitié. Et c'est des gens jeunes qui, cette année, se sont positionnés sur la partie bourse. C'est une super nouvelle, ça. Hein. Mais moi, je trouve ça canon. Ah, mais exactement. C'est canon. Pour moi, c'est peut-être la meilleure nouvelle, d'ailleurs, de l'année, honnêtement. Redonne-moi le chiffre de... 142 000, on a fait comptes titres au total. Et c'est trois fois le 2019. Trois fois. C'est ça. Trois fois.
et trois fois plus d'ordres de bourse. Mais ça, Euronext, d'ailleurs, ça peut être communique. Durable, ça, tu crois ? Alors, nous, on était très inquiets au début parce que souvent, quand il y a des chocs thermiques comme celui du mois de mars, on voit énormément de volume tout de suite, puis ensuite une rétractation et après une longue stagnation. Là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Mais alors, pas du tout. Ouais. D'abord, premier élément, ça a démarré avant. Ça a démarré avec la Française des Jeux fin 2019, donc ça n'avait aucun rapport avec le Covid. Et c'est la loi Pacte aussi, il faut le reconnaître. La loi Pacte crée les conditions aussi au départ pour que les gens, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue de certaines enveloppes et même du message globalement gouvernemental, on peut être contre, on peut être pour, mais il est quand même pro-entreprise. Il a créé des conditions, je pense, qui ont permis aussi que ça se produise. Après, autre élément fondamental qu'il ne faut pas se cacher derrière un arbre, c'est par absence de combattants aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les taux négatifs, les bien taux sûr, sont mais, faibles. Mais tant mieux. Et voilà, exactement. Mais mieux, oui, mais il a fallu un peu de temps. Non, mais il faut prendre la mesure. Parce que tu me dis 140, donc 140 000. C'est colossal. On estime qu'en gros, il y a, parce qu'il y a toujours le problème avec le Crédit Agricole, mais en gros, allez, 2 millions d'actionnaires individuels aujourd'hui en France. Donc toi seulement, Boursorama, tu en as déjà 140 000 sur une année. On a peut-être eu 15, 20, 25% d'actionnaires individuels en plus. C'est super important. Non, c'est très important. Et ce qu'on voit, c'est que ça continue pour l'instant. Alors je touche du bois et j'espère que ça va continuer. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est vraiment ça, c'est que les gens se disent, le fonds euro, c'est à la cave et ça va rester comme ça, le livret A, il est à 0,50, je n'ai plus aucune solution sans risque. Et donc, à un moment donné, j'ai 30 ans, parce qu'il se trouve que nous, on recrute la moitié de nos clients, les fameux 600 000, un peu moins, ils ont moins de 30 ans, ils ont un horizon de temps. Et peut-être qu'ils croient d'ailleurs plus trop au système retraite, je ne sais pas, mais en tout cas, les ouvertures de compte-titres, à peu près la moitié des ouvertures se font pour des moins de 40 ans. Est-ce qu'on va revoir alors à ce moment-là toute la vigueur du formidable forum de Boursorama qui était il y a 10 ans, mais un réseau social extraordinaire. C'était Twitter avant Twitter, le forum de Boursorama. Maintenant, ça s'est un peu endormi. Non, mais l'audience, par contre, du site, c'est intéressant parce que l'audience du site, pareil, a suivi exactement la même logique. On a une année incroyable au niveau de l'audience de Boursorama, à la fois des contenus vidéo mais aussi des pages. Et donc ça, c'est un élément cadeau. Oui, parce que ça, c'est un sujet à côté, mais c'est vrai que depuis le début, Boursorama a décidé d'être un média. Exact. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que tu... Ah bah nous, on y croit énormément. C'est un sillon que tu continues à tracer, Et sur lequel on continue à investir énormément. Et j'explique juste en un mot pourquoi. Notre modèle est bâti sur l'autonomie des clients. L'autonomie passe par la connaissance. On ne peut pas demander à nos clients de se débrouiller tout seuls sur les produits financiers s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Bravo. Et la complexité de notre marché est incroyable. Elle est complexe d'un point de vue fiscal, elle est complexe d'un point de vue technique, elle est complexe, franchement, même d'un point de vue simple de gestion de son argent. Même le fait de mettre de côté, par exemple. Tout simplement, peu importe on va continuer à investir. Soyons pédants deux secondes. Tu es au cœur de... les idées libérales du 18e siècle viennent avec l'encyclopédie. Tu ne peux pas avoir l'ensemble. Exactement. Voilà. Donc, tu ne peux pas avoir la liberté sans la connaissance. Exactement. Donc ça, c'est bravo. Vraiment bravo là-dessus. Mais revenons sur Revolut, N26, etc. Oui. Tu dis, je respecte ces concurrents-là. Ils sont, eux, sur des chiffres qui sont quand même des chiffres beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. C'est-à-dire, il va te rester une place, ils vont te bouffer petit à petit. Comment est-ce que tu les regardes ? Non, mais on les regarde avec admiration sur l'acquisition parce qu'ils ont recruté en général beaucoup plus de clients que ce qu'on a fait. Cela dit, j'attends les chiffres de 2020 parce que je pense qu'il y a eu... Revolut, en gros, il serait sur 6 ou 7. Et N26, ils en revendiquaient 5 au début de l'année. Ouais, c'est ça. Il en veut 100, lui. Hein. Il veut 100 millions de clients. 100 millions, Mais alors, il n'y a pas d'horizon de temps. Donc, après, il y a un autre élément à prendre en compte. D'abord, c'est important. Nous, on le regarde comme on aimerait faire aussi bien en termes d'acquisition. Le terrain de jeu n'est pas le même. C'est des acteurs qui sont sur une cinquantaine de pays. C'est vrai. Nous, on n'est que français. C'est vrai. Ce qui n'est pas du tout une excuse, mais c'est quand même un terrain de jeu qui n'est pas le même. Donc, c'est à nous de nous poser la question, peut-être, de regarder ce terrain de jeu. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes choses. L'autre élément qui est fondamental à bien prendre en compte, c'est là où on ne fait pas exactement encore la même chose, c'est qu'aujourd'hui, ils sont sur une verticale qui est le paiement, qui est un élément important, fondamental de la relation bancaire, mais ce n'est pas le seul. Et donc, si on comparait les encours par client, par exemple, on est plutôt sur du, j'essaye de simplifier, mais 500 euros par client chez ces acteurs néobanque paiement. Nous, on est plutôt à 15 500 euros par client. On a 40 milliards d'encours, nous, de gestion, au global. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, il y a beaucoup plus de
comment est-ce que tu appelles ça d'ailleurs dans ton secteur, j'allais dire moi, compte primaire, de réels comptes chez Boursorama. Exactement. Que chez N26 ou Revolut où c'est un compte secondaire, ouais, un compte tertiaire, normal, etc. Encore une fois, il faut qu'ils, d'ailleurs ils le disent, donc je ne vais pas faire leur stratégie, mais je pense qu'ils vont développer ces produits. Mais Benoît, alors je vais peut-être te mettre en porte-à-faux avec ton actionnaire, ton patron, Frédéric Oudéa, qui un jour m'a dit, vous savez, le jour où il faudra décider où vraiment mettre votre vrai argent, il y a assez peu de risques que vous le mettiez dans ce genre de banque. Enfin, non, lui, en tout cas, c'est sa conviction profonde. Je partage totalement cette conviction, et ce n'est pas parce que c'est Frédéric Oudéa. Je pense que la notoriété, la crédibilité, et c'est pour ça que le régulateur est un point fondamental. C'est bien qu'on soit régulé. C'est fondamental. On ne peut pas avoir passé 20 ans à avoir fait un peu d'économie, prendre son argent, le mettre quelque part, puis la personne peut partir avec. Ce n'est pas possible. Donc, il est important d'être crédible. Pour être crédible, nous, on a eu la chance d'avoir un actionnaire de référence depuis toujours, qui est Société Générale. Donc, évidemment que ça aide quand on veut faire de l'épargne. Ah bah c'est évidemment clair. Que c'est important. Ça, sinon, on n'aurait probablement pas réussi. Aujourd'hui, je pense que même notre taille aussi, quelque part, nous aidera. Parce que comme on a beaucoup de clients, beaucoup d'encours, je pense que c'est rassurant, c'est un élément fondamental. Donc à nous de continuer à mériter aussi cette confiance finalement des clients, des régulateurs, etc. Et donc je pense qu'il faut arriver à faire les deux. Mais arriver chez un acteur digital en disant je vais mettre toutes mes économies alors que je ne connais pas cet établissement, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc je pense que nous on allie un peu compliqué pendant et ça restera compliqué. Mais nous le fait qu'on fasse du crédit immobilier, du crédit consommation, de l'assurance vie, des livrets, etc. Qu'on soit là depuis longtemps et qu'on ait maintenant plus de 2,5 millions de clients, je pense que ça pose quand même Boursorama. Un mot, donc hausse de 35% des revenus sur les 9 premiers mois de 2020, exactement. C'est ça. J'avais vu que dans le retail, le commerce, 70% des plus de 60 ans qui avaient fait une commande en e-commerce ne l'avaient encore jamais fait. Ouais. Et ils ont adoré. Ouais, et donc là, il va y avoir un levier considérable. Est-ce que ça peut être pareil pour la banque, parce que tu parlais des jeunes, mais est-ce que tout à coup, cette explosion du digital liée à la pandémie, ça peut élargir ta base de clients? Ça peut élargir. Je pense que ça partit... En fait, pour être tout à fait franc, je crois que ça ne change pas le travail de fond et le sous-jacent dont on parlait au début. C'est-à-dire qu'évidemment, on sent bien que les attentes du consommateur, au global, elles vont vers le temps réel, elles vont vers la liberté, elles vont vers la simplicité, elles vont vers le prix. On peut le prendre par tous les bouts, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec le Covid? Comme je ne vais pas faire le consultant, mais tout le monde l'a dit, ça a accéléré encore le phénomène. C'est-à-dire, il y a des populations qui étaient beaucoup moins naturellement éligibles, qui se sont dit, mais après tout, en fait, ça marche. Donc, non, mais c'est aussi simple que ça. Mais donc, en fait, sûr, mais après, la banque, c'est un cas particulier, je pense, dans le secteur. D'abord, on a été peut-être pas trop en avance, pour être honnête, si on doit se donner quelques critiques. Je ne pense pas que la banque était en avance de phase au début, en tout cas sur les sujets un peu technologiques, sur les sujets innovants. Je pense qu'il faut aussi qu'on fasse un peu notre mea culpa. Maintenant, c'est en train de complètement changer. Il y a plein d'entités qui se lancent, des fintechs. Dans les banques, ça bouge beaucoup aussi. Pareil, de la Société Générale, il y a énormément de choses et d'initiatives. Bon, voilà, donc c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que les clients le demandent. C'est toujours pareil. En fait, à un moment donné, on s'adapte à ce que veulent les clients. Ouais, enfin, c'est toujours pareil. Pour les banques, ça commence. Oui, voilà. Peut-être qu'on n'était pas... Ça n'a pas été toujours pareil, tu vois. Non, mais peut-être c'était... J'attends quand même encore le jour où je pourrais scanner un chèque et où tu l'encaisseras. Ça va arriver. Je crois qu'il y a 15 ans que ça existe aux États-Unis à peu près. Ouais, ça va arriver. Voilà, j'attends ce jour-là. Ça va arriver. À ce moment-là, tu reviendras pour nous raconter tout ça. Ça va arriver. Benoît Grisoni, le directeur général de Boursorama, était notre invité sur Bismart.